Ah, bon, mon metteur en bas, c'est la cousine au port là-bas, et sur le port, à la manifestation. C'est un mariage 19, le jour elle donne les vacances d'école. Ah, la commencé, Tiffine, mais après, le soir, pour moi, le civet canard, pas gagné. Nous, la grimper, moi, madame, carrément, avec les enfants, la montée, quand on a réussi à monter toutes tes fines affaires. Les gendarmes posent nos questions, demandent à nous, ça nous montre. Vous êtes comme nous, deux membres de la famille ici, il faut nous venir. Parce qu'il y a tous les beaux-pères et les malades dans la 4 ans cette année. Les dans la maison, là, il faut les sauver. C'est ça, hein, notre pensée avant. Nous connaissons carrément le feu, il prend dans la maison, mais s'il gagne sauvé, il sauve. Mais il gagne. Père, mais pour vivre, le beau-père, il gagne. Mais du moment là, pas arrive, machin. En arrivant ici, tout l'été est fini. Pour mon pied, nice, c'est juste pour tenir les matelas, le reste surconstruit, le feu qui restait dessous. Les gendarmes ont conclu, c'était un coup aussi à cuit. Voilà, la dame là, avec mon beau-frère à côté, mais là, il faut la faire à nous, vraiment. Là, nous, là, nous donnons un petit coup de main. Nous, comme on dit, ça fait à l'association Tidalon. Voilà. Ben. Là, nous, c'est la famille Futissois, où effectivement, l'hermitage Léo, plus précisément, où la maison a été brûlée la semaine dernière. Et là, aujourd'hui, effectivement, en tant qu'élue, je suis venue et aussi amie voir cette famille, parce que c'est une grande famille que je côtoie depuis longtemps, apporter mon aide et aussi avec l'aide de la mairie, en fait.